Avec les Pyrénées en toile de fond, cet avion entame un vol au-dessus du Béarn. Xavier Guiraud de Saint-Aymar est historien. Il réalise un repérage des plus impressionnantes forteresses de la région. Son vol commence au-dessus d'un pays singulier, le Vic-Bil. On se situe ici dans la partie la plus ancienne du Béarn. C'est le Vic-Bil, ce qui, en langage ancien, signifiait le vieux pays. C'est à partir de là que le Béarn s'est constitué, s'est progressivement agrandi le long du gave de Pau jusqu'à Orthez. À une dizaine de kilomètres du Vic-Bil, apparaît une première forteresse. Là, on aperçoit Morlane. C'est magnifique. C'est un des joyaux du Béarn. C'est une forteresse qui est construite en 1373. C'est un système de construction fondé sur des constructions en briquettes, pour ce qui consiste du donjon. Et ensuite, toutes les fortifications sont constituées de chaînages de galérons, qu'on trouve régulièrement dans tout le sol du Béarn, et de rangées de briquettes. Ce système de construction a comme caractéristique sa rapidité de construction. Une forteresse comme ça, elle a été construite en 8 ans. S'il avait fallu construire une forteresse comme celle-ci en pierre, il en aurait fallu environ entre 25 et 30 ans. Ce château devait protéger le Béarn contre les attaques anglaises lors de la guerre de Cent Ans. Après le château de Morlane, l'avion poursuit son vol au-dessus des places fortes de la région. Il commence avec les forteresses édifiées pour défendre le Béarn au Moyen Âge. Elles ont été voulues par le seigneur de la région au XIVe siècle, Gaston Phébus. Plus loin, l'avion arrive en vue d'une autre sentinelle de pierre qui émerge dans le paysage. Voilà, et là, c'est la forteresse de Montaner. C'est la plus grande forteresse qu'il y a en Béarn, construite par Gaston Phébus, un donjon de plus de 40 mètres de haut, avec une enceinte assez étonnante, polygonale. On calcule qu'il a fallu 100 000 briques par an, et il a été achevé 6 ans plus tard. C'est un vestige d'architecture médiévale absolument exceptionnel. Au Moyen Âge, cette forteresse est une pièce maîtresse qui permet à Gaston Phébus de réaliser son rêve, agrandir son territoire et unifier le Béarn. Un autre château de cette époque passionne particulièrement Xavier. Alors, tu vois, on arrive là vers Navailles. Donc, qu'est-ce que tu reconnais là? Tu peux me guider, Xavier? Il est là! Il est là? Il est là, ah, juste en dessous de nous. Ah ouais, wow. Superbe. C'est impressionnant. Magnifique. Xavier est le propriétaire de la forteresse de Navailles-Angos. Pour la première fois, il la découvre vue du ciel. Mon Dieu! En fait, il est véritablement dans un écrin de forêt, de verdure. Ah ouais, c'est super émouvant. Il restaure cette ancienne place forte depuis 15 ans. On voit en fait le château de Navailles-Angos, donc ma maison. Quand on est arrivé, c'était une belle endormie, la belle oie dormant. C'est-à-dire que le parc était une prairie. Le château était entouré de ronces, gigantesques. Et il a fallu réhabiliter tout ça, refaire les toitures. Et pour essayer de lui rendre un peu de son éclat et surtout en faire une maison confortable où on puisse y vivre bien. Avec son donjon médiéval, le château de Xavier défendait les frontières du Béarn au XIVe siècle. Progressivement, cette forteresse qui a perdu son caractère défensif avec le développement des techniques militaires, en fait, c'est devenu une résidence où là, elle s'est parée de tous ses chiens assis. Toutes les fenêtres ont été ouvertes au rez-de-chaussée et c'est devenu une véritable résidence d'habitation. Allez, dernière vue sur ton château.
L'avion met maintenant le cap sur les Pyrénées. On commence à apercevoir le gap de Pau au loin. C'est la rivière majeure qui traverse tout le Béarn. Il fait plus de 190 km. Alors, le mot gave, c'est un mot typique du Béarn. C'est-à-dire que toutes les rivières en Béarn portent le nom de gave. C'est pour ça qu'on a plusieurs dizaines de gaves dans les Pyrénées. Un peu plus loin, Xavier survole une des villes les plus originales du Béarn, fortifiée au XVIe siècle. Ce qu'on aperçoit à droite, c'est le village de Navarinx, la ville de Navarinx, avec toutes ces fortifications qui l'entourent. La grande caractéristique de ces fortifications, ce sont ces bastions qui occupent en fait les extrémités de la ville. Non, la légende voudrait que Vauban soit passé par Navarinx et ait vu ce système qui l'aurait profondément inspiré. Ça reste une légende pour l'instant. C'est vraiment exceptionnel de voir de visu en fait ce qu'on a l'habitude pour un garçon comme moi qui est plongé souvent dans ses livres, de voir sous ses yeux ce que l'on a l'habitude uniquement de voir décrit dans des pages d'histoire. L'avion arrive maintenant au pied de la chaîne des Pyrénées. Alors maintenant, on va pénétrer dans la vallée d'Aspe, qui est une des trois principales vallées du Béarn, avec la vallée d'Ossau et la vallée du Barétous. C'est un axe fondamental, d'abord parce qu'elle est d'une grande facilité d'accès, et c'est pour ça que c'est elle qui aura le plus de succès aussi bien pour les pèlerinages de Compostelle que pour le commerce, et bien entendu pour le passage de certaines armées pendant plusieurs siècles. Au détour de la vallée, Xavier découvre l'un des plus beaux panoramas du Béarn. Le cirque de l'Esquin. Une dizaine de pics à plus de 2000 mètres d'altitude. L'un des grands charmes du cirque de l'Esquin, c'est des changements de couleurs absolument magnifiques. Plus les montagnes s'éloignent, plus elles deviennent plus fanées, plus... C'est fabuleux. Plus loin, se dévoile la partie la plus encaissée de la vallée. Un verrou stratégique sur la route vers l'Espagne. Et là, on aperçoit une des constructions les plus étonnantes qui soit dans la vallée d'Aspe, le fort du Portalet. C'est un édifice militaire qui a été construit entre 1842 et 1870. C'est une construction absolument fabuleuse. Voilà, là, on a une vue superbe. Elle était prévue pour recevoir à peu près 400 hommes. Mais il s'est avéré excessivement difficile d'amener la nourriture, l'eau, etc. Et très rapidement, elle a été abandonnée. Ça reste aujourd'hui un élément emblématique de l'architecture militaire de fortification du 19e siècle. Et juste en face se trouve quelque chose d'absolument extraordinaire, ce qui s'appelle le chemin de la Mâture. C'est une construction phénoménale sur 1 km 200 par 4 mètres de haut sur 4 mètres de large. C'est la voie que l'on a créée au 18e siècle avec des efforts gigantesques pour pouvoir utiliser la forêt qui se trouvait un peu plus haut. On y transportait ces longs troncs d'arbres de parfois 30 mètres de long pour la marine royale. C'est une construction absolument magnifique. L'avion continue son ascension pour arriver en haute montagne et survoler les sommets mythiques des Pyrénées.
Et là, tout d'un coup, on va avoir, voilà, apparaît dans toute sa splendeur le pic du Midi d'Ossau, qu'on ne peut pas mentionner sans citer son surnom, Jean-Pierre. Jean étant le point culminant du pic du Midi d'Ossau, et Pierre, la plus petite des deux dents, en référence au fait que les familles béarnaises nommaient leurs deux premiers fils Jean et Pierre. C'est vrai que, compte tenu de sa forme de dent, il est très repérable de partout. Et c'est devenu l'emblème du Béarn. Voilà, moi, ça. Extraordinaire. En passant ces sommets, l'avion quitte le Béarn pour arriver en Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées. Il atteint la ville de Lourdes. La cité a longtemps été gardée par un château fort perché sur ce rocher. On peut distinguer la forteresse de Lourdes constituée d'un grand donjon sur ce piton rocheux, avec plusieurs systèmes de fortifications qui descendent vers la ville de Lourdes. C'est le piton rocheux sur lequel elle est constituée qui la rend stratégique. Elle est quasiment inexpugnable. D'ailleurs, elle fait partie des forteresses qui ont été rarement prises. Plus loin, au bord de la rivière, s'élève l'autre emblème de la ville. Devant nous se trouve ce qui aujourd'hui fait la richesse, la caractéristique de Lourdes, ce qu'on appelle la basilique du sanctuaire de Lourdes, en référence aux apparitions de février 1858 de Bernadette Soubirous. C'est un lieu des pèlerinages les plus importants au monde aujourd'hui. En quittant les montagnes, Xavier se dirige vers la dernière sentinelle de son repérage, le château de Mauvezin. Alors, ce château de Mauvezin, il doit être droit devant, là. Oui, il est là-bas. L'avion. Alors, c'est lui. C'est lui, là-bas. Voilà, on commence à le distinguer. D'accord. Au Moyen Âge, ce donjon contrôlait la région. Il surveillait la route qui menait de Bayonne à Toulouse. On voit ce qui est sans doute une des plus impressionnantes forteresses et dont la réhabilitation absolument somptueuse est à l'identique de ce qu'elle était au XIVe siècle. Ce château à la frontière de la Bigorre est le dernier de la ligne défensive voulue par Gaston Phébus. Après des années d'abandon, il a été sauvé par une association. On a cet ensemble unique de plusieurs forteresses les unes à côté des autres, qui sont espacées, on va dire, d'une cinquantaine de kilomètres chacune. Et il est extraordinaire que malgré qu'elles aient parfois servi de carrière, qu'elles aient été démolies, elles soient encore debout et que par l'œuvre des associations, de passionnés tout simplement, qui les ont pris en main, eh ben, elles ont réussi à survivre et à franchir les siècles et aujourd'hui à constituer quelque chose de cohérent et un témoignage de ce qui s'était fait il y a des siècles. Alors que l'avion de Xavier s'éloigne, un autre amoureux des châteaux se dirige vers Gardère, un village de Bigorre. Il y a exactement 25 ans, avec un agent immobilier, lorsque je cherchais une maison un peu dans ce secteur, je cherchais surtout à me rapprocher de Pau, où je venais de trouver mon premier emploi. Et là, j'ai découvert cette bâtisse, évidemment pas dans cet état, puisqu'il n'y avait plus de toiture, plus de fenêtres, plus de volets. Mais c'est vrai que déjà à ce moment-là, avec l'agent immobilier, en plaisantant, je lui disais « c'est tout à fait ce que je cherche ». 5 ans plus tard, le rêve devient réalité. David Liagre achète ce château du XVIIIe siècle. Pour le restaurer et l'ouvrir au public, il crée une association. Depuis, presque tous les week-ends, une dizaine de bénévoles vient lui prêter main forte. Bon, ce soir, on en aura fait quelques-uns déjà, c'est pas mal. C'est un gros travail, sachant qu'il y a 53 fenêtres. Disons que pour entretenir tout ça, c'est nécessaire de les faire assez souvent, je dirais régulièrement.
pour éviter de complètement tout devoir poncer, gratter. Ça me paraît beaucoup plus facile. Aux côtés de David, Marie-Christine s'investit dans l'association depuis 6 ans. C'est un vrai plaisir que de venir ici. Mais par contre, quand je rentre à la maison, je me dis que j'ai de la chance de ne pas avoir de château. C'est trop de travail. C'est immense. C'est de la folie. Il y a toujours quelque chose à faire ici. Alors qu'à la maison, on peut profiter de son transat. David ne peut pas. C'est grâce à l'engagement de tous ses bénévoles que David a pu sauver les 25 pièces du château et offrir aux visiteurs l'esprit d'une demeure du XVIIIe siècle. Nous entrons dans le vestibule du château. Cette pièce était donc, depuis les années 50 jusqu'en 2000 à peu près, l'épicerie du village. Il faut s'imaginer qu'ici, il y avait donc un comptoir et tout ce qui était derrière le comptoir était de la terre battue. Donc le souci également, c'est qu'il fallait retrouver également tout ce marbre, ce qui a été mission impossible, hein, c'est du marbre de Lourdes, et donc on ne l'a pas trouvé. Donc ce qu'on a fait, on l'a remplacé par du marbre neuf, qu'on a complètement donc, vieilli, plus ou moins. Et donc voilà le résultat. David a voulu conserver l'authenticité du château. De salon en salon, des meubles d'époque lui ont été offerts pour garder l'esprit des lieux. Nous entrons ici dans ma pièce vraiment préférée, de par sa lumière, de par la qualité des boiseries. Pour moi, il est très très important de restaurer cette bâtisse dans son jus, surtout c'est dans un esprit complètement Louis XV. Tout le mobilier donc, est d'époque. Pour moi, c'est donner un sens à cette bâtisse. C'est extraordinaire, c'est vraiment pour moi hyper encourageant parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie, c'est plus de week-end, tout ça c'est magique de voir tous ces gens qui partagent ma passion, qui partagent le patrimoine, qui partagent ma vie, c'est vraiment très très beau. Année après année, les bénévoles ont même créé le seul jardin à la française du département. Il a été dessiné par Lionel Gallois, un enseignant paysagiste. Avant que David soit propriétaire, les anciens avaient transformé les lieux en exploitation agricole. Donc ici, c'était une prairie, donc il n'y avait que de l'herbe. Cette allée, cette calade était complètement dissimulée sous de la terre et de l'herbe. C'est David qui a découvert cette allée qui a 300 ans. Aidé de ses élèves, Lionel a planté plus de 10 000 buis et une cinquantaine de taupières. Donc voilà, taupière, c'est un art qui a été inventé par André Le Nôtre pour le château de Versailles, pour Louis XIV. Donc c'est essentiellement de l'if, monoaxial, donc il n'y a qu'un seul tronc. Et en fait, on va faire une véritable sculpture végétale, donc c'est tout l'art de la cisaille, l'art du jardinier, de faire différentes formes, différents plateaux, différents étages, et tout l'art du jardinier, c'est d'entretenir ça pour garder un petit peu ses formes. Il y a plusieurs années, j'étais élève et je contribuais donc à la plantation des buis ici. Donc avec Lionel, qui était mon professeur à l'époque. Et maintenant, ce qui me plaît, c'est que les personnes qui sont ici sont super sympas. C'est tout le temps agréable de venir ici, de passer des moments, des bons moments avec eux. C'est du travail, il faut être passionné. Aujourd'hui, la passion de ces bénévoles ne s'arrête pas au château de Gardère. Régulièrement, ils participent à d'autres chantiers de restauration. Ce matin, David va rejoindre l'un des plus beaux châteaux du Béarn. Nous entrons dans le Vic-Bilh, le vieux Béarn, sur une route de crête nous sommes.
D'un côté, nous avons les... sur ma droite, donc, nous avons les Hautes-Pyrénées, et donc à gauche, les Pyrénées-Atlantiques. Ce qui est très appréciable également dans cette région, c'est ce paysage, tous ces panoramas très très différents. C'est complètement vallonné. Il y a énormément de forêts également. C'est vraiment un panorama qui n'a pas changé, je pense, depuis des générations et des générations. J'apprécie énormément ce coin de la région. David arrive maintenant au village de Conchès de Béarn, réputé pour ses maisons du XVIIIe siècle. Voilà, un petit village que j'apprécie particulièrement. Ici, on va vraiment découvrir la particularité de cette région, donc du Vic-Bilh, cette architecture très typique. Comme ici, on peut voir donc, ces toitures très très hautes, toutes en tuiles plates, qui rappellent également donc, Gardère. David se dirige ensuite vers un château remarquable du Vic-Bilh. Ah là, c'est beau ça, regarde ça, voilà, le château d'Haricobord, qui date donc du XIIe siècle. Un château complètement implanté dans la vigne du Madiranais. Une vigne très très ancienne qui est très importante pour la région. Le Madiran fait partie des deux vins que nous avons dans le secteur, entre le Jurançon et le Madiran. Voilà, cette bâtisse est complètement coiffée donc d'une toiture en tuiles plates. Je trouve ça splendide. David arrive au château de Coarraz, sur les rives du Gave de Pau. Avec sa façade classique, cette demeure est célèbre dans toute la région, car c'était le château d'enfance d'Henri IV. Aujourd'hui, les bénévoles se sont donné rendez-vous ici pour aider la propriétaire à préparer l'ouverture de la saison touristique. Il faut répéter d'abord. Hein. Là. Voilà, ok. Voilà. T'es prêt ? 1, 2, 3. Là, doucement. Là. Première étape franchie. On le tient, non ? Cette pièce de bronze et de cristal doit être entièrement restaurée. Là. Attention, les droits. Et voilà. Il y est. On va essayer de remettre à neuf. Un travail confié à Michel, un ancien électricien. C'est pas un travail, c'est un plaisir. Vous savez ce que c'est, ça? Ça doit avoir 150 ans. Et quel est le... Moi, j'ai le privilège, par rapport à beaucoup de gens en France, de pouvoir toucher, de palper, et de refaire, et de remettre en œuvre le patrimoine français, pour mes amis du château. C'est un privilège, un privilège. Un lustre dans un château ne se descend jamais. C'est vraiment exceptionnel ce qu'on fait aujourd'hui. C'est juste pour pouvoir le nettoyer, le retravailler, et Michel. Et du coup, Michel va en profiter pour le refaire. Voilà. Ce qu'on aurait, sinon, on l'aurait laissé en l'air et on l'aurait nettoyé en l'air. Christine de Dufaux s'appuie sur l'aide des bénévoles pour sauver le château de son enfance. Tout l'intérêt de tous ces bénévoles, c'est que chacun a son corps de métier. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on a rencontré Michel, qui nous a dit « Mais moi, je suis à votre disposition. Bah, c'est, voilà, c'est pour l'électricité, c'est nickel. Je sais tout faire. » Pendant ce temps, dans le salon d'à côté, David organise un autre chantier. Voilà, donc n'imbibez pas trop le chiffon. Vous en mettez très peu. Et donc, tout ça à quatre pattes et on cire. D'accord ? Et comme toujours, Marie-Christine est aussi au rendez-vous. Il faut bien imaginer qu'un château, il n'y a pas deux pièces. Si la personne qui habite le château devait le faire toute seule, elle peut le commencer le 1er janvier pour terminer le 31 décembre. Alors que nous, à une dizaine, eh ben, en 2-3 jours, on peut tout faire. Et tous les visiteurs, ils auront la surprise d'avoir un château tout beau, tout neuf. Si les bénévoles se mobilisent avec autant d'ardeur pour ce château, c'est qu'il a une importance singulière dans la région. À la Renaissance, il appartenait à la tante d'Henri IV, qui a pris soin du jeune prince.
La très grande particularité de ce château, c'est que Henri IV enfant a vécu ici d'à peu près de l'âge de 2 à, on va dire, une huitaine d'années. Et le plus beau moment de sa vie était à Coarraz, dans la mesure où c'était un prince, mais il était libre. Il était dans les champs, il était élevé avec les petits paysans, tout ce qui se passait. Et donc, je pense qu'il a appris sa vie ici. Juste à côté de la maison, subsiste la tour médiévale. Christine nous emmène au sommet pour un panorama à 360 degrés sur tous les environs. Voilà, alors ça c'est mon endroit favori parce que cette vieille dame a 750 ans et surtout c'est la vue qui est assez extraordinaire. Ce que l'on voit c'est les Pyrénées dans toute leur splendeur. C'est quand même au départ une tour de défense, donc dès qu'on est en haut, c'est ce qui fait aussi la beauté et un peu la magie de ce lieu. C'est qu'en fait, on est à l'entrée de la vallée de Lourdes, qui est juste devant, au loin. Et donc, ça permettait de surveiller ce qui se passait sur la partie du Gave qui descendait. Et donc, on préservait toute la plaine et on gardait la plaine jusqu'à Pau. Donc, on était vraiment un verrou. Et cette tour a servi de verrou pour surveiller, effectivement, entre la Bigorre et le Béarn. Attention, on va la glisser. On va d'abord la pousser un peu. Attention parce que vous avez la... En contrebas du château, les bénévoles entament une mission délicate. Prenez. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. 1, 2, 3. Attention. Ouais. Cette calèche familiale est une rareté. Il n'en existerait plus qu'une dizaine dans toute la France. À la manœuvre, Régis, le cousin de Christine. Allez, un, c'est bon. Cale. Ça te dérange, tu la tiens. Cale. Ah. Ça y est, j'ai mis la cale, moi. Ouais. Voilà. Parfait. En fait, le but, c'est de restaurer cette calèche. Voilà. Qui date de 1839. Et pour la restaurer entièrement, on a trouvé une personne, un carrossé, qui va faire la restauration de cette calèche. Ah oui, donc, il va entièrement la refaire. Attention aux mains. Voilà. Elle était entreposée dans cette écurie depuis plus de 30 ans. Christine et Régis ont mis des années pour trouver l'artisan qui pourrait la réparer. Pour eux, c'est un événement. Voilà, c'est bon. Là. Ok. Génial. Bravo Régis. Bravo. Ouais, bah, remercie tout le monde. Ah là 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 là. Super. Bravo. Vous avez réussi à la tourner quand vous avez fait. Ça n'a pas été trop difficile parce que c'était vraiment technique. Là, on en a discuté hier avec Régis et tout. C'était l'enfer. Dans l'action, on est parti. Mais c'est top, top. C'est une calèche qui appartenait à mes arrière-grands-parents puisqu'ils allaient à Paris en 15 jours avec. Alors là, vous voyez, quand on voit la difficulté qu'ils ont eue pour la sortir et qu'on voit qu'elle est dehors, pour moi, c'est une très, très forte signification parce que même si elle est un peu malade, elle va partir. Mais je suis même très, très, très étonné encore par la qualité des cuirs, etc. Je pensais que ça serait beaucoup plus difficile de la sortir. J'imaginais même qu'elle allait carrément s'effondrer sur elle-même et qu'on n'arriverait jamais. Donc c'est pour moi, c'est un moment très fort, vraiment, vraiment, vraiment. Ah, bonjour, bon, commandant du Bigorre. Bravo. Voilà. Bravo, Régis. Et pour fêter ça, Régis a décidé de régaler les bénévoles. Il est beau. Regardez, il est au soleil. Moi, ce que je trouve merveilleux, c'est qu'il n'y a pas les châtelains et la partie associative. Là, on est tous à table ensemble, on est tous une même famille. Oui, il y a santé de tous les bénévoles qui sont venus, qui sont déplacés. C'est vrai que la présence de chacun est indispensable ici. Au fil du temps, on s'est constitué une vraie équipe. Hein. Je pense que vous les avez vus tous autour de la table. Et ces équipes sont en plus complétées voilà, tous les étés par des gens qui viennent. Voilà, par exemple, ces petites jeunes filles qui viennent en plus donner le petit coup de main et qui sont très, très motivées. Et ça, c'est le moteur, il est là. C'est simple. Au pied des Pyrénées, la ville de Pau offre une vue exceptionnelle sur la chaîne de montagne. Une situation qui a fait sa renommée au 19e siècle. Pau devient alors un haut lieu de villégiature pour la douceur de son climat en hiver. Cet âge d'or transforme profondément la ville. À commencer par une promenade célèbre qui lui donne des airs de Riviera.
Nous sommes sur l'emblématique boulevard des Pyrénées. C'est la promenade quotidienne pour les Palois, c'est l'incontournable pour les visiteurs. Ces palmiers qui sont omniprésents sur ce boulevard témoignent de la douceur du climat en hiver et également à l'automne, lorsque c'était la saison de venir à Pau en villégiature. À l'époque, ce boulevard est l'adresse la plus prestigieuse de la ville. Il a été imaginé par un collaborateur d'Haussmann, Adolphe Alphand. Alors, ce boulevard a été construit parce que Alphand avait dit il manque à Pau la promenade des Anglais comme à Nice. C'était la promenade pour être vue, pour voir, pour admirer la beauté des paysages. C'est une promenade qui repose sur une succession d'arceaux. C'est un véritable viaduc, c'est une œuvre d'art, c'est un ouvrage magnifique. Le boulevard longe la place Royale, avec l'hôtel de ville, et à son extrémité, l'hôtel Gassion. Le Gassion prend l'allure d'un palais vénitien par le rythme horizontal des différents étages. Une terrasse qui court tout le long du premier étage qui est ouvert en plein cintre et les trois étages carrés pour finir avec les chiens assis du dernier étage sous les combles. C'est assez monumental, assez harmonieux. On peut vraiment dire que le Gassion, c'est l'emblème de la ville de Pau. Prince, roi, reine. Les bourgeois, les commerçants, les industriels de la fin du 19e siècle ont fréquenté cet hôtel. L'hôtel est finalement transformé dans les années 30 et divisé en appartements. Mais au sommet de l'immeuble, subsiste un lieu inaccessible au public. Sur les toits, l'architecte a prévu cette terrasse qui offre le plus beau panorama de la ville. Alors voilà, depuis ce belvédère, on a une vue superbe, spectaculaire au milieu, là. C'est le pic du Midi d'Ossau, c'est l'emblème de Pau. Les Pyrénées, c'est un cadeau au quotidien, selon les saisons, selon la lumière du jour. C'est un panorama dont on ne peut absolument pas se lasser. Et du fait de son orientation en plus d'est en ouest, par rapport au soleil, c'est indescriptible, c'est juste... splendide. Au premier plan, on voit un plissement qui est parallèle à la chaîne des Pyrénées, qu'on appelle les horizons palois. On devine sur ces coteaux des clairières, et devant ces clairières, il y a des petites villas de villégiature, des petits manoirs. C'est déjà un premier plan romantique où on recherche la nature, le paysage avant tout. Depuis quelques années, Caroline a initié un circuit original pour faire découvrir l'héritage Belle Époque de sa ville. Son périple commence par le parc Beaumont, qui servait d'écrin au palais d'hiver. C'est un parc de 13 hectares, typiquement un magnifique jardin à l'anglaise. La définition d'un parc paysager à l'anglaise, c'est de varier les essences d'arbres pour que les saisons jouent avec les couleurs, les tonalités. Nous avons ici une richesse incroyable d'essences d'arbres. Le parc Beaumont, c'est le jardin dans la ville. Moi, je le surnomme le Central Park. L'autre particularité de la ville, ce sont ses maisons, construites sur les hauteurs, les villas anglaises. À partir du 19e siècle, de riches étrangers veulent profiter de l'air pur des Pyrénées. Ils construisent près de 350 villas, dans une profusion de style et de luxe. Voici la magnifique Villa San Carlos, en briques rouges, et son imposante toiture en ardoise. Caroline passe ensuite devant la Villa Beitraat, avec ses toits mansardés, d'allure néoclassique. La somptueuse, l'immense château, la villa Nito.
construit en galet du Gave avec les petites touches britanniques que sont les bow windows. Chaque grille que l'on longe ou mur que l'on longe nous rappelle un peu cette vie de luxe qu'il y avait au siècle dernier. C'est des folies architecturales, c'est vraiment la belle époque. Et l'on rentre ici entre les deux piles du portail. Il subsiste au fond la plus haute, la plus majestueuse, la plus hors norme de toutes ces villas de villégiature, le palais Sorrento qu'on appelle aussi le casse-tête de la Raille. Avec ses proportions impressionnantes, le palais Sorrento fait face aux Pyrénées et domine le paysage. Il a été voulu par un banquier français qui a construit un véritable palazzo italien. Nous voici devant la façade sud du palais Sorrento. Avec ses diverses élévations, au premier étage, les fenêtres sont recouvertes de frontons très saillants. Le second étage est largement orné avec des bouquets renversés, des mascarons dans les angles des fenêtres. Nous apercevons un toit-terrasse qui est typiquement à l'italienne également. Une façade monoplan dans cette harmonie de classicisme et beaucoup de romantisme, surtout avec cette terrasse au premier étage en hémicycle qui est soutenue par ces quatre cariatides qui représentent les quatre saisons. Des chefs-d'œuvre réalisés par le sculpteur Paul Ducuin au tout début du XXe siècle. Exceptionnellement, les propriétaires ont donné à Caroline l'autorisation de pénétrer à l'intérieur pour faire découvrir la pièce maîtresse de la villa. Cet escalier baigne dans la lumière naturelle grâce à ses larges baies à chaque étage. Et cette lumière vient de l'ouest. Et le dernier héritier va rebaptiser ce palais Sorrento en casse-tête de la Raille, qui en béarnais veut dire le château du rayon de soleil. Des rayons de soleil qui se reflètent dans le marbre de Carrare, de cet escalier entièrement blanc. C'est une réalisation parfaite, dans les proportions, la légèreté de l'ensemble. De toute évidence, on a voulu étonner le visiteur, en mettre plein la vue et avoir le palais le plus richement décoré. Il a cherché le plus pur, le plus blanc, le plus cher. Et au lieu d'aller chercher les matériaux tout simplement dans les Pyrénées, où on trouve du marbre de toutes les couleurs, il est allé chercher le marbre en Italie. Au rez-de-chaussée, les salons d'apparat ont été transformés en appartements. Caroline est invitée à les visiter pour la première fois. Bonjour. C'était autrefois la salle de réception, la salle de bal, avec les deux cheminées identiques. Ah oui, les cheminées en marbre blanc, en enfilade, là, très classique, avec des colonnes cannelées et les chapiteaux ioniques. Ça me rappelle les cheminées des États-Unis, oui, du bureau ovale, oui. Du bureau ovale, absolument. C'est ça. Je pense à la petite touche américaine, puisque la propriétaire était américaine. L'appartement a conservé certains détails précieux, comme ce plafond à caissons doré à la feuille, témoin du faste des premiers propriétaires. Ici, c'est l'histoire d'une riche héritière new-yorkaise qui a marié un Français qui avait fait une ascension sociale phénoménale et... par amour, il lui a construit son château à ses goûts, un goût éclectique, un goût classique, un goût exubérant. Et c'est la preuve vivante d'un passé qui n'est plus. Et donc là, on est sur la terrasse plein sud. Et depuis cette terrasse en hémicycle, au premier étage, on a une vue imprenable sur les Pyrénées. Ce point de vue offre un panorama privilégié sur l'ancien jardin à la française, aménagé pour profiter du paysage. Alors que sur le côté, le jardin à l'anglaise préserve une certaine intimité.
On voit très bien qu'en bordure de jardin, les propriétaires choisissaient un mur végétal pour s'isoler de leurs voisins est et ouest. Donc on va choisir des essences à haute cime, à feuilles persistantes, et qui va vraiment confiner le jardin dans un espace vert. C'est ma petite pierre à l'édifice. J'en suis fière aujourd'hui de pouvoir faire découvrir une perle, un bijou du patrimoine palois. Ce soir, Caroline est invitée par la communauté anglophone qui habite toujours la ville. La réception a lieu dans une des plus charmantes villas anglaises, la Villa Hutton, construite à partir d'une maison béarnaise. À l'origine, cette villa, c'est une maison à la campagne. C'est un compromis entre un palais et un hôtel particulier au centre-ville. Les lucarnes ont été transformées en bow window. Ce bow window, justement, c'est la caractéristique numéro un de ces villas à la campagne. C'est une manière d'être à l'intérieur tout en profitant de l'extérieur pour apporter plus de lumière, pour inclure le jardin. On agrandissait et on faisait ces sortes de bow window. On est dans la simplicité, on est dans la villa rafistolée, la villa arrangée où... voilà, encore aujourd'hui, on sent qu'elle est animée et que c'est encore vivant. Si cette villa vit encore aujourd'hui, c'est grâce à un Américain qui habite ici depuis 20 ans. Cette villa était un party house. Et ils ont dû une table ouverte. Et les gens qui venaient, ils mangeaient. Donc, la cuisine était toujours en retard parce qu'ils ne savaient jamais combien ils sont là pour le dîner. Nous sommes contents de revivre cet esprit pour faire revivre cette ville. Ce qui me plaît dans ces soirées, c'est qu'on retrouve la splendeur d'antan. Parce que quand les Anglais sont arrivés à Pau, ils ont mis un peu de vie, de nouveaux souffles à Pau, il y a eu des balles. Et là, on se croirait un peu à l'époque. Il est 7 heures du matin, dans la vallée d'Aspe, au cœur des Pyrénées. Comme tous les jours, Barbara et Maxime prennent le chemin de leur bergerie. J'adore la traite du matin, je sais pas, c'est sympa. C'est pénible de se lever tôt tous les matins, mais après, une fois qu'on est debout... Et c'est tout le temps changeant, ça change tout le temps, tous les matins c'est différent. Là, ce matin, il y a de la brume, mais ben voilà, c'est beau. Barbara et Maxime sont venus dans la région pour devenir bergers. Bonjour. Ils possèdent un petit troupeau qui leur permet de faire la traite à la main. En fait, nous, on aime faire la traite à la main. C'est vraiment par affection qu'on le fait à la main. Malheureusement, ce qui me plaît le plus, vous n'allez pas pouvoir le capter là, parce que c'est les odeurs. J'adore les odeurs de la bergerie. J'adore ça. Et le fait aussi de... Si, ça veut... Le fait de ne pas avoir le bruit d'un moteur, quoi, d'une machine, de juste ce bruit-là. C'est agréable. Maxime et Barbara ont quitté leur ancienne activité pour suivre l'école des bergers. Aujourd'hui, ils font eux-mêmes la tomme de brebis, selon la tradition de la région. On fabrique le fromage qu'on tire matin et soir ici, hein, avec nos brebis. Et c'est vrai que ça a été un petit peu pas évident, quoi. Je viens de l'extérieur, donc il a fallu un petit peu batailler pour se faire accepter, en disant que non, je ne suis pas quelqu'un de passage, j'ai envie de m'installer et construire quelque chose. Bah, aujourd'hui, voilà, il y a 4 enfants qui vivent ici, ça participe à la vie du village. Nous sommes fin juin, et demain, c'est le grand départ pour la transhumance. Mais avant d'entamer cette longue marche, Maxime doit réaliser une dernière opération indispensable. Une petite séance de manucure.
C'est important qu'elle soit bien amarrée quand même pour retourner. Pour elle, autant que pour elle, pour que nous. Ah, c'est là, il y a du travail un peu. On a fait le parage des ongles. On leur fait les pieds, on enlève l'excédent de cornes, de façon à ce qu'elles repartent avec les pieds, avec des pieds sûrs, sains. C'est comme nous, si on a de mauvaises chaussures, on n'est pas à l'aise pour marcher, quoi. Elle, c'est pareil. Le pied est moins stable. Voilà, ouais. Et là, elle est bien, là, comme ça, allongée. Ah oui, voilà, là, elle est pas trop... Regardez, elle paraît pas trop inquiète. Hein. Là, elle est calée. Il n'y a pas de risque pour nous, pas de risque pour elle. Tout le monde y gagne. Avant de partir en estive pendant plusieurs mois, Barbara et Maxime doivent encore livrer leur fromage. Ils quittent le village de Bedouce pour se rendre à Oloron-Sainte-Marie, la grande ville au croisement des trois vallées du Béarn. C'est ici que les bergers ont créé une boutique. Avec d'autres paysans de la région, ils vendent leurs produits directement du producteur au consommateur. Allez, on va les peser, comme ça. Oui. Tiens, vas-y, mets là. Hop. Allez. Au niveau du bel, donc, l'ensemble des produits qui sont ici, c'est vraiment des produits qui sont propres à leur ferme. Quoi. C'est le fromage de Dominique. C'est pas de la tome de brebis, c'est de la tome de chez Dominique. Quoi. Voilà. Et là, c'est de la tome du Gaec de la Houda. Du coup, on n'est pas du tout en rivalité, on est sur la complémentarité. Rien qu'avec nous deux, on arrive à proposer déjà quatre brebis un petit peu différents à l'année. Quoi. Voilà. Allez. On espère qu'il y en aura d'autres qui vont s'ouvrir dans les communes voisinantes. Il n'y aura là non plus pas de la concurrence. S'il y en a d'autres qui s'ouvrent, ce sera que mieux. L'idée, c'est que plus on sera nombreux à faire ça, et plus les habitudes du consommateur reviendront à consommer sur l'achat... Sur des circuits courts. Hop. Et pour convaincre les consommateurs, les producteurs organisent régulièrement des dégustations. Du fromage de brebis. Hop là. Ah, super. Ça, c'est du brebis. Ça, c'est du vache qui vient de Vallée d'Aspe. Ça, c'est mon fromage. Moi, je suis bergère. Depuis le temps que je voulais rencontrer une bergère. Ah bah voilà, ça y est, c'est fait. Quand on regarde dans les yeux les gens qui ont notre fromage dans la bouche et qui le goûtent pour la première fois, c'est fabuleux. Et nous, on aime qu'ils nous posent des questions. Et vous avez le droit et vous avez le devoir de poser des questions et de savoir ce que vous mangez. C'est tellement important. Ça nous fait nous. Et il faut savoir ce que vous avez dans la bouche et dans vos assiettes. Mais chaque fois, on goûte une montagne, on goûte un producteur, on goûte des bêtes. C'est ça qu'il y a de bien, c'est qu'on va trouver des goûts différents à chaque fromage qu'on goûte. Après 2 ans d'existence, la boutique est aujourd'hui un vrai succès. Le lendemain, les brebis commencent leur transhumance. Le troupeau doit remonter la vallée d'Aspe pour rejoindre les estives au sommet de la montagne. Mais les premiers kilomètres doivent se faire en camion. Une étape délicate qui inquiète un peu les bergers. Pour leur éviter de faire la route, là, elles sont en lactation, on évite de les fatiguer. Elles pourraient faire toute la route à un pied, mais elles seraient crevées et elles perdraient le lait, quoi. C'est pas une partie de plaisir, là, pour elles. Pour nous aussi, c'est super stressant, parce qu'il y a des risques d'étouffement, c'est vraiment pas agréable pour nous, ouais. Enfin, c'est stressant. Allez, allez. C'est bon ? Une demi-heure plus tard, les 160 brebis sont enfin chargées. Le camion prend la route, direction le sud de la vallée d'Aspe, qui passe au pied du fort du Portalet. Regardez, on aperçoit le fort, là. Là, ça paraît pas comme ça, mais à l'intérieur, c'est énorme. Les salles qu'il y a, construites dans la roche, c'est magnifique. Quelques minutes plus tard, les animaux sont libérés. Ça a été là dans le camion, tout le monde va bien. Tout s'est bien passé, ils sont descendus pas du tout stressés, même pas sales, tu vois.
extra. Ah, nickel. Ça va, vous êtes contente, vous? Là, elles comprennent, ça y est. Peut-être le temps du camion et tout. Enfin, les vieilles, elles savent. Les vieilles, elles savent. Les jeunes, elles savent pas trop. Là, les agnelles, par contre, elles découvrent complètement. Elles comprennent pas du tout ce qu'elles foutent là. Celle-là, là, par exemple. Allez, c'est parti. Devant, Dine. Allez, les cocottes. L'important, c'est d'avancer, mais en même temps, de pas trop les speeder pour pas les flamber dans les premières montées et qu'après, elles soient raides. La température, elle est impeccable. On pouvait pas rêver mieux. Il pleut pas et il fait pas chaud, donc là, c'est royal. Barbara et Maxime font partie des 95 bergers de la vallée d'Aspe à relancer la vie en estive. Une tradition qui était en déclin dans les années 80. Je suis super contente. C'est pour ça que je fais ce métier. Enfin, je veux dire, toute l'année, c'est chouette. Hein. Moi, j'aime bien, mais ce qui m'a donné envie d'être paysanne, c'est la montagne. Donc, c'est... Ah ouais, j'adore. Là-haut, il n'y a plus les voitures, il n'y a plus le courrier, il n'y a plus Internet. Le téléphone très réduit, moins d'aller-retour. Donc, c'est un rythme de vie qui est complètement différent. On est dans un autre espace-temps, quoi. Là, on a une vue imprenable sur l'Aouda. Donc, la super falaise, là, que vous voyez. Vous voyez trois alignements de falaises. Et bien, l'Aouda, c'est la dernière, là. Et en fait, la cabane, elle est juste derrière. Le chemin de la transhumance passe par cette forêt qui marque l'entrée du parc national des Pyrénées. Ici, Barbara reste à l'arrière du troupeau. Là, moi, mon travail, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de boiteuse qui traîne pour pouvoir la ramener dans le troupeau. Il y a des endroits où on peut laisser aller l'imagination et penser à autre chose. Et il y a des endroits où il faut être très, très concentré et savoir ce qu'on fait. C'est la montagne, hein. Si on voulait que du plat, on resterait en bas. À la sortie de la forêt, le décor change. Good side, fly. Allez. Le troupeau attaque maintenant des pentes plus raides. Ouais, là, le passage est un petit peu étroit pour plusieurs brebis, quoi. Il y en a quelques-unes qui peuvent se mettre côte à côte, mais sur la droite, c'est un petit peu de chute. Hein. Faut pas qu'elles se bousculent, donc du coup, il faut surtout pas freiner les brebis. Faut que ça file. Allez, hein. Après 5 heures de marche, reste un dernier obstacle. Allez! Le passage du ruisseau. Allez-y, là. C'est maintenant que le travail des chiens commence. On est en train de tenter de faire traverser les brebis. Elles aiment pas l'eau, elles sont un peu fatiguées, elles ont pas envie de se speeder, quoi, donc elles font tranquille, mais... Allez, Dino, amène. Allez, Dino, amène. Allez, Dino, amène. Allez, Dino, à gauche. Allez, tocolé là. Tocolé, ça veut dire en bernais morler. Quand je lui commande ça, c'est pas choper la brebis pour qu'il y ait une influence et que d'ailleurs les brebis braquent là où j'ai envie qu'elles braquent. Allez. Après 15 minutes d'hésitation, les brebis passent enfin ce cours d'eau qui marque la fin de la transhumance. Ah, ça y est, là on arrive, on tient le bon bout. On est très content. Oui, oui. Ah, parce que c'est la montagne et que là, ça y est, on y est, quoi. On y est. On va passer 3 mois ici, voilà, et c'est vrai qu'on l'attend depuis quelques mois là, déjà. Voilà, mais on va profiter. Pendant tout l'été,
Barbara et Maxime vont faire pâturer leurs brebis sur cette montagne, à 1800 mètres d'altitude. Les brebis, elles viennent d'arriver sur leur estive. Et là, elles reconnaissent, quoi. Les vieilles reconnaissent. Je pense qu'elles ont la mémoire d'une année à l'autre de ce qu'elles ont mangé la dernière fois. Et du coup, elles vont chercher des nouvelles saveurs, des nouveaux goûts. Au mois de juin, c'est l'extase totale pour elles. Il y a plein de fleurs différentes. Là, elles sont heureuses. Monter en estive, c'est faire vivre la montagne. C'est faire du fromage ici, faire du fromage avec ça, quoi. C'est pas merveilleux, ça? C'est fabuleux, enfin, voilà. Elle est là, elle est là, c'est génial de pouvoir travailler avec elle. C'est super. Arrivés à la cabane, les bergers retrouvent leur famille venue les aider. Allez. Car le travail est loin d'être terminé. Oh, je pense. Il faut immédiatement séparer les brebis laitières de celles qui ne donnent pas de lait. Allez, allez. Là. On a besoin d'être assez nombreux pour pouvoir ralentir le flux. Parce qu'en fait, c'est pour leur éviter l'étouffement et la mort. Voilà, c'est pour ça qu'on les ralentit. Parce qu'une brebis, c'est très mignon, c'est très sage et tout ça. Mais d'elles-mêmes, naturellement, elles vont pour aller s'étouffer. Quand elles voient des brebis, elles vont sur des brebis. Elles ont cet instinct grégaire d'être les unes contre les autres, les unes avec les autres. Et ça peut être très dangereux pour elles. Une fois les brebis parquées, tout le monde se retrouve à la cabane pour partager un verre et profiter enfin de l'endroit. Moi, je crois que je ne pourrais plus faire autrement que de venir vivre 3 mois en estive. Une fois qu'on y a goûté et qu'on aime, après, c'est... Je pense. Depuis que j'ai commencé, depuis ma première expérience, il y a eu 2 étés où je ne suis pas montée, où j'étais enceinte, où j'accouchais à mes points. Sinon, je suis toujours montée, toujours montée, toujours montée. Et maintenant, même faire des randonnées, ça m'arrive. Enfin, je vois plus l'intérêt d'aller en montagne si c'est pas pour y vivre, quoi. J'aime vivre là. Parmi les habitués, les parents de Maxime. Ils ont fait plus de 800 km pour venir les aider. On va apprécier. L'important, c'est qu'ils soient heureux. Hein. Voilà. Et apparemment, c'est le cas. Sa vie à lui. Donc maintenant. Au début, on était opposés. Enfin, opposés, non, mais on n'avait pas prévu... Un petit peu inquiet, un petit peu attendu. Toi, t'es très, très inquiet. Non, et puis il avait passé quand même un BTS en électromécanique. Il était super bon et tout ça. Il avait une bonne place dans une entreprise. Bon, le jour, il m'a dit, ben, j'arrête, je vais faire berger. On a cru que c'était une plaisanterie, quoi, c'est tout. On n'avait pas imaginé ça pour notre fils, c'est tout. Mais depuis, on s'est rendu compte que c'était réfléchi et qu'en fait, c'était pas passager, c'était quelque chose qu'il c'est avait. Sa vocation. Qui, voilà. C'était un genre de vocation, effectivement. Et bon, mais il l'a réalisé et puis voilà. Allez, Abanas. Que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas trop de soucis. Allez, avec Marion. Pas d'accident. Allez, Marion. Nous retrouverons Barbara et Maxime dans quelques semaines pour partager avec eux la vie en estive. Quelques vallées plus loin, commence la Bigorre. Ici aussi, l'élevage a dessiné le paysage. Accrochées à flanc de montagne, on appelle ces granges des granges foraines, car elles sont situées en dehors du village. Un patrimoine rural en pleine renaissance. Chaque été, une architecte des bâtiments de France arpente les routes pour soutenir les propriétaires de ces bergeries. On va voir une grange qui est à plus de 1000 mètres d'altitude, 1400 plus exactement. Donc il faut grimper ces petites routes qui ont été construites à peu près dans les années 70 et qui a permis vraiment de faciliter la vie des agriculteurs. C'est tout un patrimoine qu'on a dans cette montagne qui est merveilleux. On comptait 5000 granges foraines dans le département des Hautes-Pyrénées. Beaucoup, bien sûr, ont disparu. On peut dire aujourd'hui, il en reste à peu près 2000.
Un certain nombre sont voués à l'agriculture et puis d'autres donc se transforment en habitat saisonnier. Jeannine Colonel a aujourd'hui rendez-vous sur un chantier. La grange se situe au cœur de la vallée de Cerce. On l'appelle aussi la vallée aux catastrophes, parce que tout court des temps, il y a toujours eu des tas de problèmes, des crues, des inondations, des descentes de terre, de rochers, des avalanches. En fait, c'est une vallée qui est très, très difficile. On a vraiment un profil de vallée très accentué, très vertigineuse, avant que des pentes, comme vous pouvez voir, qui sont extrêmement raides. Les agriculteurs ont donc trouvé un système très ingénieux pour parer à ces avalanches et pour éviter de reconstruire chaque printemps leur grange. C'est donc d'installer une architecture qui, ici, suit la pente. C'est-à-dire que le toit, pratiquement, est dans le même profil que la pente du terrain naturel. La grange est légèrement enterrée, ce qui fait que pendant l'hiver, l'avalanche, le souffle de l'avalanche et l'avalanche elle-même passaient au-dessus de la grange et ne faisaient aucun dégât. Éric Castagnier travaille sur ce chantier depuis 2 semaines pour poser plus de 2000 ardoises. Je suis en train de mettre de l'ardoise traditionnelle au clou. Il y a plusieurs formats, il y a des petits formats, des grands formats, ce qui fait une harmonie sur tout le toit, on mélange. Et donc, de temps en temps, on a besoin de tailler. Hop. On trace. Et avec le marteau de couvreur sur l'enclume, je taille l'ardoise. Et je fais le trou où va aller le clou. Sur ce chantier, c'est très important que le propriétaire fasse de l'ardoise. Il y a plusieurs techniques de poser de l'ardoise. Et ici, vraiment, on pose de l'ardoise au clou. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui dépasse de l'ardoise, si vous regardez bien. L'ardoise au crochet, on a toujours le crochet qui dépasse. Et quand la neige est sur le toit, eh bien, le crochet a tendance à s'arracher. La technique, vraiment, de l'ardoise en montagne, c'est le clou. C'est un savoir-faire, comme vous le voyez, qui est quand même très exigeant. C'est vraiment une école de l'excellence, la restauration de la grange. J'ai l'impression de contribuer à conserver le patrimoine et on apporte notre petite touche personnelle. On se dit que grâce à nous, ce toit il existe encore. Et on a un joli bureau, on va dire, puisque derrière, regardez le panorama. Donc c'est un plaisir. Ouais. La route de l'architecte surplombe la vallée de Barèges et offre un point de vue idéal sur les autres granges. On voit très bien ici, dans le panorama général de la montagne, on voit très bien l'organisation de l'agriculture d'autrefois. En hiver, les bergers et leurs moutons étaient au creux des vallées, dans les villages. Et puis au printemps et à l'automne, ils montaient sur ces zones intermédiaires qu'on voit ici, où sont dispersées toutes ces petites granges. Et c'est là, le grenier, on va dire, de l'agriculture, c'est là où on a toutes ces prairies de fauche là qu'on voit et qui permettaient d'engranger du fourrage pour l'hiver. Pour valoriser ce patrimoine rural, l'architecte a eu l'idée d'un concours. Elle veut récompenser les plus belles restaurations du département. Pour la première fois, elle visite la grange de Philippe Prat-Dessus, qui l'a sauvée de l'abandon. C'est un berger que je connaissais. Et un beau jour, il me dit en patois, « Quel amour, donc un herter, quel abouillouéné. » Ça veut dire, cette grange, j'en ai marre, je vais la vendre. Et j'ai dit, « Quand t'es crompi, en patois, c'est-à-dire, je te l'achète. » Faites attention à la tête. Oui. Les hommes et les vaches étaient très petits à l'époque. Et d'ailleurs, c'est une race de vaches qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. C'est magnifique, hein? Quel travail! C'est une très petite grange. À l'époque, on mettait une douzaine de vaches. C'est les emplacements où venaient les vaches. Or, ce qui est intéressant, c'est cette pièce-là. Cette pièce-là, qu'on appelle l'estaquet, c'est l'endroit où on pouvait attacher les vaches. On y mettait ce qu'on appelle le courdeillat, hein, qui permettait de coulisser le long de cet estaquet.
Et dans ce courdeillat, on venait fixer le coura. Un coura, c'est la pièce, le collier qui permet d'attacher la vache. Avec une petite clé, on passait le cou de la vache là, on venait fermer avec la clé, et la vache pouvait lever la tête ou la baisser avec ce système-là. On est tous des fils d'agriculteurs, plus ou moins. Moi, j'ai vécu dans une famille d'agriculteurs jusqu'à l'âge de 10 ans, et on a vécu avec tous ces éléments, et bien évidemment, les années de jeunesse sont souvent pour nous les plus belles, et j'ai l'impression qu'en conservant ça, je conserve un peu une petite partie de cette époque-là. Alors ça, c'est pour moi l'endroit le plus intéressant de la grange. C'est aussi celui qui me tient le plus à cœur, puisque c'est en fait le lieu de vie du berger. On peut constater qu'il est tout petit, il ne fait que 2 mètres par 2 mètres. Et on a conservé aussi le banc qui est d'origine. Et cet espace est vraiment très convivial. À travers ces restaurations de granges foraines, à travers ce concours, on recherche vraiment cette authenticité, cette évocation un peu du passé. Parce que quelque part, on a l'impression que notre mission n'est pas vaine et que de toute façon, ce travail qu'on mène sur les granges foraines, on a des résultats merveilleux qui font qu'on sait transmettre et pérenniser un peu ces savoir-faire, ce patrimoine de la montagne qui est très authentique ici dans les Hautes-Pyrénées. Dans une vallée toute proche, un couple de passionnés a transformé une ancienne bergerie en résidence secondaire. Il y a 6 ans, Frédéric et Jennifer ont eu un coup de cœur pour cette grange de la vallée de l'Espone. On avait l'envie de remettre debout un tas de pierres. Donc on était vraiment dans cette optique de se dire, on va trouver une grange, elle va peut-être être très abîmée. Donc on a été surpris par l'ampleur des travaux en fait, qu'il fallait engager. Voilà à quoi ressemblait la grange en 2011, lorsqu'ils l'achètent. Il y avait une partie qui était couverte en tôle, qui avait été un peu protégée, une partie en ardoise, mais qui était complètement trouée, percée. Donc on a remanié toute la toiture. Ça a été un dur labeur, mais voilà. Aujourd'hui, le couple reçoit un voisin qui lui aussi envisage de restaurer sa grange. Bienvenue à l'intérieur de la grange du Ourcq. Là, on rentre par une porte qui n'existait pas. On arrive à l'endroit où les bêtes étaient gardées. Il y avait des vaches, il y avait des brebis, il y avait une mangeoire sur le côté. Et donc là-bas, on trouve le coin du berger, qui est l'endroit où le berger avait son lit et sa cheminée. C'est vraiment le minimum pour vivre. Et qu'on a gardé presque intact, à l'identique. Ici, c'est le laité, donc c'est l'ancien frigo du berger. Et à l'époque, en fait, dans le temps, ils mettaient le lait en bas parce qu'il y a la source, en fait, qui alimente la grange. Elle rentre dans ce bassin d'eau, elle sort par l'autre côté, donc il y a une circulation d'eau permanente. Et cette eau-là, elle est très, très fraîche parce qu'elle sort vraiment du cœur de la montagne. Ici, la spécialité dans nos vallées, c'était plutôt de faire du beurre plus que du fromage. Donc en fait, ils stockaient le lait là, ils le descendaient dans la vallée et puis ils faisaient le beurre là-bas. Et puis on a décidé de le garder et ça marche très, très bien. Au pied de la cheminée, le couple a réussi à sauver un autre élément d'origine. On a gardé l'empierrement, c'est-à-dire les dalles qui sont au sol. Quand on a refait la grange, on les a enlevées, on les a numérotées et on les a reposées exactement à leur place. Et il y a certaines dalles d'ailleurs où il y a la date marquée, les bergers avaient gravé dessus. Et on a une date qui est de 1776 ici, qu'on peut voir juste devant la cheminée. On voit donc le 1, le 7, le 7, le 6. Donc ça nous donne une idée en fait de l'âge de la grange. On va monter au fenil, l'endroit où on stockait le foin. Comme dans ta grange, pareil. Je pense qu'on trouvait. On stockait le foin là-haut aussi. Et puis du coup, voilà, nous, on a aménagé des chambres. Là, on arrive à l'entrée. C'est l'entrée du fenil. Ça, c'est la fenêtre par laquelle on rentrait le foin. Mais oui. Et là, il y a un truc absolument génial. C'est qu'à chaque fois qu'il venait rentrer le foin, il marquait la météo, la date. Et une petite anecdote. Il y a les inscriptions dessus. Ouais. Donc, ouais. Et celui-là, il est vraiment super. Alors, c'est souvenir du 25 décembre 1922, il y avait de la neige jusqu'aux genoux. Souvenir du 5 mai 1922, faisait sombre et de brouillard, et il y avait de la neige. Signé La Faille.
Ça permet d'avoir une mémoire, de se dire peut-être l'année prochaine, je viendrai plus tard, parce que le temps n'était pas clément, depuis 2-3 ans, le temps est mauvais. Et ça, c'est un journal qu'on fait aussi, nous, en fait, maintenant. On n'écrit plus sur les poutres, mais on garde celle-là précieusement, et on va certainement pas les poncer. C'est la mémoire de la grange foraine. Ces parachutistes font partie des hussards, un corps de troupes installé à Tarbes depuis plus d'un siècle. Parmi eux, l'adjudant Jonathan a été recruté il y a un an. On fait 6 sauts par an minimum. Et donc, après, ça peut nous arriver d'en faire un petit peu plus dans l'année, en fonction de l'activité qu'on peut avoir à côté. Je suis parachutiste, mais je suis... tous les parachutistes ont un métier de spécialiste à côté. Moi, je suis cavalier, instructeur d'équitation. Jonathan est l'héritier des fameux hussards du Second Empire, installé à Tarbes par Napoléon III en 1858. Ce corps d'élite fait de la ville un important centre de cavalerie légère jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, Jonathan a été affecté ici pour relancer la tradition équestre des hussards. Ils sont installés dans ces anciens haras nationaux, créés au début du 19e siècle pour l'élevage des chevaux de l'armée. Comme tous les jours, Jonathan entraîne sa jument Vicky de Saint-Jean pour des concours équestres. Une manière de perpétuer une pratique d'excellence. Je suis rattaché à un régiment qui est fort en tradition. Nos anciens militaires qui étaient avec Napoléon ont commencé ici aussi. Il y a tout ce côté traditionnel qui est chouette à revivre et à refaire vivre au jour le jour, quoi. Les écuries de style empire ont été conservées. Elles abritent aujourd'hui une vingtaine de chevaux. C'est l'écurie la plus prestigieuse, avec ce magnifique plafond en châtaignier, qui est en forme de coque de bateau retournée. Et c'est en châtaignier parce que le châtaignier, ça éloigne les insectes. C'est une vraie écurie à l'ancienne, vraiment fonctionnelle, dans le sens où voilà, on a des grands box, les mangeoires sont en marbre. La première fois que je suis arrivé dans les haras, on a été scotché par les lieux, parce que moi je connais pas du tout la région, je connaissais pas les lieux. On se retrouve dans un espèce de havre de paix, en plein centre-ville, vert, magnifique, avec des bâtiments historiques. J'étais comme un enfant, quoi. Jonathan nous emmène dans l'un des plus beaux édifices des haras, le manège, transformé aujourd'hui en musée du cheval. Entièrement couvert, ce bâtiment permettait de faire travailler les chevaux par mauvais temps. Là, on arrive dans l'ancien manège du Haras de Tarbes, qui a été créé en 1820. Et là, on peut le voir que c'était un manège par les murs, en fait, qui sont en forme de pare-bottes, donc qui sont biaisés sur le bas, pour pouvoir éviter aux cavaliers de se taper les jambes à cause du cheval. Et donc, par la suite, il a été transformé en écurie. Et donc, ce qui est notable ici, c'est les jolies poutres d'Eiffel qui ont été créées en 1901 pour pouvoir accueillir du fourrage pour l'écurie qui était située au rez-de-chaussée. C'est sûr que voilà, on a la chance d'évoluer dans des lieux qui sont historiques et qui sont magnifiques. Cet après-midi, Jonathan encadre un stage nouvellement créé. Vous pouvez commencer à les préparer. Hein. Vous préparez d'abord avec vos binômes. Ces jeunes soldats sont des blessés de guerre. Jonathan les aide à surmonter leur stress grâce au cheval.
Jean-Philippe est ici depuis quelques jours. C'est la première fois. Je connais pas trop les comportements des chevaux, tout ça, mais on s'est plutôt bien entendu, donc du coup, ça se passe plutôt bien. C'est assez sympa comme domaine pour travailler. Il y a pire, je dirais qu'il y a pire. Il est atteint depuis 2 ans d'un trouble de stress post-traumatique suite à une opération militaire en Afrique. Ça va pour le matos, ouais. Impeccable, hein. Nickel. D'abord, tu dégarottes, tu mets bien devant et tu la laisses redescendre. Hop. Elle vient prendre sa place toute seule, en fait. Okay. Enfin, du coup, elle est calée. Là, tu peux ressangler. Là, c'est bon. Ouais. Il peut y avoir un petit peu d'appréhension, parce que c'est aussi le but de ce stage-là, c'est de sortir un petit peu du cocon dans lequel ils pouvaient être chez eux ou dans la famille ou... à travers ce qu'ils ont pu vivre et justement travailler là-dessus sur ce nouvel environnement, sur le travail sur soi et la liaison qu'ils peuvent faire avec le cheval. Quoi. Dans cette carrière fermée, le groupe peut travailler en toute sécurité. Jonathan et son équipe commencent les premiers exercices pour aider les blessés à reprendre confiance en eux. Ah, redresse-toi. Dans le haut du corps, ouais, super. Ah, passe à l'intérieur des plots, va pas jusqu'à la piste. Vers moi. Voilà, ici. Ok, super. Très bien. Ouais, repasse là au trot. Ouais, pas mal. Et toi, t'es focalisé sur la route devant encore. Hop. Ramène-la avec les autres, voilà. Regarde les autres. Voilà. Encore. Voilà, et relâche, caresse. Nickel. Le cheval, il connaît tout de nous, sans vraiment nous connaître. C'est-à-dire qu'il va tout ressentir. Si je suis stressé, mon cheval va être à la fois stressé aussi. Et si je suis détendu, mon cheval va être détendu avec moi. Et du coup, avec cette expérience-là, j'arrive à adapter le binôme cheval-cavalier. Et du coup, ça va les amener à s'ouvrir grâce à l'animal et grâce au comportement qu'ils auront en effet miroir par rapport à l'animal. Quoi. Derrière la barrière, un médecin observe les progrès des cavaliers. On va s'intéresser aux réactions de peur éventuelles et comment le blessé va surmonter ses peurs. Jean-Philippe, difficulté initialement à avoir du contact avec son binôme, à parler de sa situation. Là, on voit qu'il se délie, qu'il se relaxe, il est à l'aise sur son cheval, mais tout en faisant attention à son environnement. Jamais il ne se met en danger, il ne gêne pas les autres. C'est bien au-delà de tous nos objectifs. J'ai vraiment passé une bonne semaine, quoi. Très très bonne semaine, ça m'a fait du bien, ça m'a bien reposé. Ça m'a permis de me poser un peu, de me calmer, tout ça, c'était vraiment... Je pense que le cheval y est pour beaucoup quand même. Le stage se termine, mais pour Jonathan, la journée n'est pas finie. Il reprend les airs pour un exercice au-dessus des Pyrénées. Voler jusqu'à une altitude de 3500 mètres. On va passer la porte. On va avoir 30 secondes de chute libre, grosso modo. Ensuite, ouverture du parachute et une évolution sous voile pendant 5 à 6 minutes avant le poser du tandem. Allez, tu te mets bien au milieu de la porte. Jonathan va sauter en tandem au-dessus d'une des plus belles vallées de Bigorre. Au bout de 50 secondes de chute libre, le parachute s'ouvre. Ça va ? Ouais, super, super. Là, maintenant, on est stabilisé sous la voile, on est sur le Val d'Azun. On a toute la vue sur la chaîne des Pyrénées.
Là-bas, c'est le pic d'Arins. C'est vraiment magnifique avec ce temps. La vue est fabuleuse, c'est dégagé. Les montagnes en face, c'est la frontière avec le Béarn. Et au fond, le Béarn qu'on peut apercevoir. On voit vraiment tout le relief qui est mis en valeur par cette lumière. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Nous quittons le Val d'Azun et la Bigorre pour nous rendre à l'ouest du Béarn. Sur les routes du Piémont pyrénéen, deux amis partent sur les traces des saveurs de ce terroir. C'est ici que le chef cuisinier Christian Etchebest a passé son enfance. Non mais moi là, ici là, tu vois là, j'en ai fait des parties là, jusqu'en bas là, voilà. Avec mon frère, ma sœur, tout voilà. Le monde, mes oncles, et ouais. Après 30 ans de carrière à Paris, il revient dans la région pour ouvrir un nouveau restaurant. Je suis né dans le Béarn, hein, je suis né à Pau, j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans. C'est le début de ma vie professionnelle. C'est bien mangé, c'est tellement de souvenirs qui marquent la vie, qui font grandir avec les valeurs des Béarnais et aussi du Pays Basque. Voilà, moi j'ai que des bons souvenirs et c'est pour ça que j'essaye de revenir le plus souvent possible, même s'il y a longtemps, très longtemps que je suis parti. Hein. Avec son associé Jean-Bernard Oursouri-Garay, Christian sillonne la région pour dénicher les produits d'exception. Aujourd'hui, il recherche les ingrédients pour élaborer le plat traditionnel du Béarn, la garbure. Là, on arrive chez Aurélie, une fille d'Esquioul qui a repris une ferme et des terrains tout autour pour cultiver des légumes oubliés, bio. On va aller chercher des haricots maïs, un peu de choux, je sais pas, on va faire un peu le tour du jardin pour faire une bonne garbure avec Jambert. Hein. Aurélie Mazéris est maraîchère. Elle a créé un potager exceptionnel il y a 2 ans. Merci. Voilà. Merci. On va essayer de suivre les petits chemins. Je vous en prie. Ici, on peut ramasser les aubergines. Ça fait longtemps que je n'ai pas ramassé les légumes. Ça me fait plaisir. Hein. Aurélie cultive plus de 100 variétés anciennes en permaculture. Une technique agricole qu'elle a apprise en parcourant le monde. Elle travaille la terre de manière durable en faisant cohabiter les variétés entre elles. Il y a la présence du chêne au départ. L'idée, nous, c'était vraiment de partir avec la base de cet arbre, puisqu'en permaculture, il y a la dimension de nature, de jardin-forêt, de s'inspirer de ce que fait la forêt. Et à partir de là, ben, ce chêne, il a du sens. On va cultiver au pied de ce chêne, il va nous amener de la fraîcheur, il va nous amener de la matière organique quand les feuilles tombent. Et le but, c'est pas juste de sortir des légumes. Le but, c'est d'améliorer ce qu'on a, notre terroir. Maintenant, il faut savoir comment la travailler pour avoir derrière des légumes de plus en plus beaux d'année en année. Là, on est au départ, on est sur quelque chose de très expérimental. Mais moi, je crois que dans 5-10 ans, tout ça, ça portera ses fruits. Quand tu sens ça, ben t'as envie de... Ça, là, tu les manges cru, hein. Ouais. Ça, râpé, tout frais, là. C'est là, ouais. Ah, si, il est joli. Craste forme. Ah, c'est magnifique. Je salue, moi, ces jeunes agriculteurs qui relancent, qui s'investissent là-dedans. Je trouve génial. On apprend toujours dans notre métier, c'est parce qu'on est cuisinier ou... qu'on a fait de belles maisons, etc., etc., qu'on n'est pas tronc. Non, on apprend toujours parce qu'il y a des variétés qu'on ne connaît pas, des goûts qu'on ne connaît pas. Et c'est là qu'on va se nourrir de tout ça pour arriver à faire cette cuisine qu'on aime, cette cuisine du cœur. Et on travaille avec des gens qui travaillent le produit, qui travaillent la terre comme on aime, comme on a appris quand on était petit, j'ai envie de dire. Aurélie emmène les chefs sur une nouvelle plantation d'un produit emblématique du Béarn. Donc là, il est bientôt à maturité. On voit là, c'est des graines en frais, en fait. Et après, ça se sèche hein, et ça se garde toute l'année, en fait, en haricots secs. C'est le trésor béarnais, ça. L'haricot, il est magnifique. Il a une peau très fine.
et il est très fondant. Quand on cuisine, on le laisse cuire tout doucement. Ça va rester très goûteux et très fondant. Il y a des haricots, c'est un peu plus dur. Et là, ça fond dans la bouche. Voilà, c'est un produit pour nous, béarnais, c'est un produit exceptionnel. De toute façon, on en met un peu partout. Hein. Dès qu'on peut mettre un peu d'haricots, on le met dans la cuisine. Hein. C'est un produit phare parce que c'est très facile à conserver. Avant, il n'y avait pas de congélateur, il n'y a pas de méthode de conservation qu'on a maintenant. Et donc, c'était un des légumes qu'on pouvait utiliser 12 mois sur 12. Quoi. Ici, on a la technique du haricot-maïs-courge, qui est une technique qui a été utilisée depuis très longtemps en Amérique du Sud. Au départ, c'est les Aztèques qui l'utilisaient. On appelle ça la milpa. Et en fait, le principe, c'est de faire pousser ces trois cultures. Donc, le haricot qui va pousser sur le maïs. Le maïs va faire tuteur aux haricots. Et au pied de ces deux plantes, on va mettre un couvre-sol qui est la courge, en fait. Ici, en l'occurrence, c'est du potimarron. Et le principe, c'est que le maïs va pousser sans avoir besoin d'azote. Habituellement, le maïs, on est obligé de le fertiliser en azote. Là, c'est le haricot qui va fixer l'azote de l'air et le restituer au maïs pour que le maïs pousse dans de bonnes conditions. Donc là, on est en fin de production pour le maïs. On voit que l'épi, là, il est bien formé. Les haricots sont quasiment tous arrivés et les courges également. Donc là, tout va pouvoir être récolté en même temps. Les chefs se rendent à présent au pied des Pyrénées, dans la vallée de l'Ourdios. Dans le Béarn, on a cette chance d'avoir toutes ces vallées et où il y a cette pureté, où on sent que c'est quand même très, c'est grandiose. T'as l'impression d'avoir une liberté que tu n'as pas dans ces grandes villes. Dans cette vallée, les deux chefs ont rendez-vous avec un éleveur de porcs. Il se bat pour sauver une des dernières races ancestrales d'Europe. Tu vois, il élève les cochons sur ces pentes-là. C'est un jeune qui s'est installé donc, avec des porcs de Quintura. Là, c'est une race qui était en voie d'extinction. Je crois qu'il restait, je ne vais pas dire de bêtises, mais même pas, je crois, une dizaine de reproducteurs. Et aujourd'hui, c'est bien reparti. C'est vraiment le porc qui est adapté à la montagne. C'est pentu, là, tu vois, c'est en pleine nature. Ils sont dehors toute l'année. Là, c'est vraiment fabuleux. Ouais. En France, on a quand même la chance d'avoir des milliers d'agriculteurs. Il faut les défendre, il faut aller les chercher, il faut aller voilà, prendre la voiture, comme on fait aujourd'hui avec Jean-Bert. Quel plaisir dans la vallée. Moi, je me régale. Bastien Garat garde une centaine de porcs quintoa sur ses pentes raides. Ce jeune éleveur a démarré dans ce métier par passion, il y a 2 ans. Allez, va. Va là-bas, allez. Allez, va. Aujourd'hui, on est 80 éleveurs sur la filière, donc répartis de la côte basque à ici, au premier canton béarnais. On récolte un peu le fruit de ceux qui ont semé dans les années 80, c'est-à-dire qu'ils ont pris le pari d'élever cette race, et nous, aujourd'hui, on prend un peu le relais. On est beaucoup de jeunes dans la filière, et c'est vrai qu'on est content de pouvoir travailler cette race de cette façon-là, quoi. On voit que le cochon, il est heureux, et ça nous rend heureux quelque part aussi. C'est un cochon qui était présent dans la partie ouest des Pyrénées depuis le Moyen-Âge quasiment. Et à la Révolution industrielle, comme beaucoup de races rustiques, en fait, elle a été remplacée par des porcs venus du nord de l'Europe, donc les porcs roses qu'on connaît, qu'on voit un peu partout. Et parce qu'en fait, elle était beaucoup moins productive. C'est un porc qui fait moins de porcelets, donc voilà. Et dans des logiques de rendement, c'était une race qui ne convenait pas. Je pense que c'est comme un sportif de haut niveau, quoi. C'est... Il est adapté à la montagne. Il est adapté à la pente. Il a les pattes arrière qui sont plus grandes que les pattes avant. Du coup, ça lui permet de monter facilement et de descendre un peu moins facilement. Il aime moins descendre et il grogne un peu. Le travail, c'est bon pour le muscle. C'est ça qui bon va structurer la viande, ouais, et qui va faire que le gras il va rester au maximum dans le muscle. Il ne va pas faire trop d'épaisseur de gras au-dessus. Et tout ce qu'ils vont manger, en fait, tous les végétaux qu'ils vont pouvoir manger d'eux-mêmes, ça va leur apporter des qualités aussi nutritionnelles. Ça va apporter à cette viande des oméga-3. Ce qu'on appelle du bon gras. Bon en goût et bon pour la santé, voilà. Là, je sais qu'on est vraiment sur du haut de gamme. Et ça, en bouche, c'est exceptionnel, quoi. Tu le mets en bouche, ce gras, ce maigre, c'est persillé, ça fond dans la bouche. C'est un goût, j'ai envie de dire, spécial, parce qu'on est tellement pas habitué à manger ces cochons-là.
que tu as ce petit goût qui va revenir derrière de noisette. C'est exceptionnel, quoi. Moi, voilà, il faut que tout le monde, un jour dans sa vie, ait goûté ces cochons. Tu ne peux pas te tromper, là. Dans la vie, quand tu vois ça, tu vois Bastien, comment il est passionné, etc. Tu ne peux pas te tromper. Grâce aux efforts des éleveurs comme Bastien, cette race a obtenu en 2016 une reconnaissance de taille, l'appellation d'origine contrôlée. Les chefs quittent les Pyrénées et se dirigent vers un autre trésor béarnais. Ces collines hautes de 300 mètres sont les terres de prédilection des viticulteurs depuis le Moyen Âge. On arrive dans la région viticole du Jurançon. C'est exactement au sud de Pau. Le Jurançon, c'est vallonné, on le voit autour de nous. Ouais. On voit ces vignes qui sont sur des pentes des fois un peu pentues. On a quand même pas mal de pluie aussi, donc c'est bien vert. Mais on a aussi beaucoup de soleil qui font mûrir ces grappes de raisin. C'est un vin de soif, un vin que tout le monde connaît. Il y a des vins liquoreux, il y a des vins secs. C'est un vin que, voilà, depuis tout petit, nous, dans notre région, le Béarn, dans chaque maison ici, on fête beaucoup de... les anniversaires, les baptêmes, voilà, chaque fois on sort ces vins de Jurançon. Christian a rendez-vous avec Pascal Labasse. Il y a 30 ans, il transforme l'ancienne ferme familiale en domaine viticole. Les chefs viennent choisir les vins pour accompagner leur garbure. Ici, on est sur une très jolie parcelle, plantée en 98. Donc là, on est sur des grappes typiques de Petit Mansin. Si la météo le permet, ben, tout ça, ça va concentrer, ça fera des super jolies grappes. Là, déjà, c'était un peu sucré quand même. Là, déjà. Ah oui, il y a déjà du sucre. Ouais. J'aime bien le sucre. Du sucre là, oui. Et c'est une des parcelles où on va récolter les raisins, sûrement vers la mi-novembre. Ces vendanges tardives permettent de produire le vin phare de l'exploitation, le liquoreux. Ces raisins... elles vont concentrer sous l'effet du soleil, du vent. Et contrairement à d'autres appellations françaises comme les vins de Bordeaux ou les vins de Loire, nous, on ne travaille pas en pourriture noble, mais en passerillage. En fait, c'est le fun. Hein, c'est un vent qui vient du sud. Moi, j'ai souvent coutume de dire que c'est la fin du Sirocco, qui arrive à peu près fin octobre et novembre, souvent, c'est les belles années, et qui nous déshydrate les raisins, tout en gardant l'acidité des Jurançons qui permet d'avoir cet équilibre si particulier, sucre-acidité. Pour moi, en tant que cuisinier, très important, c'est le goût. Et quand je croque dans ce raisin, je sens de suite le sucre qui vient en bouche. Mais derrière, vite, pratiquement de suite, on sent cette acidité. Et je suis très surpris. Moi, je pensais beaucoup plus de l'acidité et beaucoup moins de sucre. On commence à avoir déjà les goûts un peu d'agrumes, un peu écorce d'orange. A priori, si on a une belle fin de saison, ça va être un très beau millésime. Mais les viticulteurs ne comptent pas uniquement sur la météo. Depuis un demi-siècle, ils ont développé une technique d'accrochage typique du Jurançon. La particularité, donc, c'est la hauteur du feuillage. Hein. Il faut savoir que je pense qu'en France, on est le vignoble dont la hauteur de palissage, ce qu'on appelle le palissage, est la plus haute. Alors pourquoi cette hauteur? Tout simplement pour avoir le maximum de hauteur de feuillage afin de créer le maximum de photosynthèse et ainsi avoir le plus possible de sucre pour élaborer des liquoreux. Qu'est-ce que c'est notre projet, ça? Une fois la visite des vignes achevée, Pascal offre une dégustation de l'une de ses plus précieuses cuvées. Là, on va goûter le premier vin que j'ai fait. Un liquoreux. Donc cuvée Thibault 88, du prénom de mon fils aîné. En 88, c'était un millésime très très particulier, très froid. Donc un vin avait beaucoup d'acidité. Ah ouais? Ouais, beaucoup d'acidité, mais tu vas voir. Liquoreux avait beaucoup d'acidité. Mais énormément. Incroyable. Ouais. C'est de l'armagnac. Ouais. La couleur, elle parle toute seule. Hein. C'est l'or de Jurançon. Hein. Donc 30 ans après, effectivement, quand vous
sentez ce vin, c'est vraiment la caractéristique des grands Jurançons. Un nez truffé, une superbe odeur avec à l'aération aussi des arômes de fruits confits. Ce qui me surprend, c'est quand même très équilibré. Et effectivement, quand on attaque, on va boire du liquoreux, on se dit que ça va être sucré. Et là, effectivement, il y a un équilibre parfait. Puis la couleur qui est magnifique. Voilà, ça c'est un grand vin de Jurançon. Voilà, moi je suis fier d'être béarnais quand on a des vignerons qui nous font des vins comme ça. Après avoir sélectionné les vins, les chefs reviennent maintenant à Escul, dans le restaurant de Jean-Bernard. Ici, les deux amis vont concocter le plat incontournable du Béarn, la garbure. Pour préparer cette soupe, ils utilisent tous les produits récoltés pendant la journée. Tout le monde a sa petite recette, c'est pour ça que deux maisons différentes ont les mêmes ingrédients, c'est jamais le même goût, quoi. Ici, tout le monde a mangé de la garbure quand il était gosse, quoi. C'est ça. Et la meilleure garbure, c'est qui ? C'est laquelle ? C'est celle qu'a fait sa grand-mère, celle qu'a fait sa mère. Ça nous rappelle ses goûts d'enfance. Ah, puis, la garbure, comme il y en avait à chaque repas, il y en avait sur la table, il y avait voilà, cette soupe. Donc on a encore ce goût de l'enfance. Donc là, on va rajouter le morceau de jambon. Voilà, ça va donner du corps à cette soupe et surtout du goût. Une fois les ingrédients mélangés, les deux chefs laissent mijoter pendant plusieurs heures. Ça va cuire, ça va dégager les saveurs de tous ces légumes qu'on a mis au fur et à mesure. La cuisson, là on voit l'haricot qui commence à être bien fondant, le chou, les carottes, tout simplement. Mais surtout, moi, ce qui me prend au nez, c'est cette odeur de jambon. Il faut le sentir. Et c'est ça qui va donner du goût. Pour parfaire la recette, Jean-Bernard rajoute sa petite touche personnelle. Uniquement que du gras. Alors c'est du bon gras, ça ouais. Moi cette odeur, là, c'est magnifique. Cette odeur que tu sens, là, tu vas le retrouver dans le parfum de la garbure. Et en plus, je suis content, je prends des petits secrets à Jean-Bernard. Il mélange ce gras de jambon avec de l'ail. Là, on va le faire bouillir pendant 10 minutes, je pense, et ça va amener encore un goût supplémentaire. On va avoir ce petit goût d'ail qui va revenir, et ça va finir cette garbure. 3 heures plus tard, la garbure est prête. Elle est bien épaisse. Ça, c'est la vraie garbure béarnaise. Le chou, la pomme de terre, l'haricot. C'est la base. Et le talon de jambon. Pour donner du goût, voilà, il faut que ça tienne au corps pour les paysans. C'est 3 ingrédients très importants. Et après, on peut rajouter ce qu'on veut. La recette se termine par une pincée de piment d'Espelette. Pour déguster leur plat, les deux chefs ont convié leurs amis producteurs. Donc tous les légumes viennent de chez vous. C'est un plat complet en plus. Elle est très bonne. Hein. C'est l'aboutissement de notre travail. En tant que producteur, on travaille la terre, les chefs ils savent mettre ça en avant. C'est des produits simples, de base, mais qui finalement ont toute leur efficacité quand on est autour de la table. La garbure, c'est un plat qui a du caractère. Le peuple béarnais a beaucoup de caractère. Et faire une garbure et puis partager, surtout, c'est ce moment de convivialité, de gentillesse et de partage. Là, on est vraiment dans le Béarn, on a un feu de cheminée, on a des amis. Et quel bonheur, juste ce moment de partage. On trinque à ce moment béarnais, non ? Allez, ce garbure, tiens. Merci, mon fils. Santé. Au sud d'Escul, à la frontière avec le Pays basque, se dresse un géant, le pic d'Agny. À ses pieds s'étend un vaste désert minéral, le karst de la pierre Saint-Martin. Pour les spéléologues,
Ce paysage est l'un des sites les plus célèbres au monde. Cette immense étendue calcaire, creusée de milliers de failles et de gouffres, cache un univers qui fascine les explorateurs depuis plus d'un siècle. Ça, c'est du paysage. Ah ouais, ça. On n'a pas beaucoup des points de vue comme celui-là, ici. Et celui-là, il est particulièrement exceptionnel. Énorme. Ah ouais. Fabuleux. Là, on a le pic d'Annie, là, qui est juste en face de nous. Le Soumkouï, donc, sur notre gauche. Et là, on a toute la zone des Ardanies, avec là, des centaines et des centaines de gouffres pour partie explorer et d'autres qui restent encore à découvrir. C'est extraordinaire. C'est un paysage lunaire qui est absolument fabuleux. Et quand on sait ce qu'il y a dessous, ça ne renforce encore plus cette perception. Depuis 40 ans, ces spéléologues explorent les gouffres et les failles de ce site, surnommé les Ardanies. C'est toujours un bonheur de marcher sur les Ards. C'est toujours un petit peu délicat, il faut se prendre l'habitude, il faut surtout enchaîner. Enchaîner les pas pour sauter les petites fractures qu'il y a, et les grosses, on les contourne. C'est un passage un petit peu plus délicat, mais on a du vide. On a une petite dizaine de mètres, là, à côté de soi. Donc, voilà, il faut assurer ses prises de pied. C'est un relief qui a été modelé essentiellement par les glaciers qui étaient là. Il y a encore 15 000 ans, il y avait des glaciers ici. Et ensuite, par l'action des eaux, qui a creusé toutes ces fissures. Michel Douatte nous emmène sur un site où apparaît clairement un des phénomènes qui a dessiné ce paysage. Alors là, on arrive sur un très joli site de méandre de surface. L'eau ne s'infiltre pas directement. Elle commence à courir sur la dalle calcaire, en la creusant légèrement, jusqu'à ce qu'elle rencontre une fissure. On en voit une qui est là-bas. Et là, l'eau rentre dans la masse de calcaire. Sous ce lapia, il y a des centaines de kilomètres de galeries, de rivières souterraines, de salles et de puits. Et en fait, jusqu'à maintenant, les spéléologues ont exploré 450 kilomètres de conduits souterrains sous cette montagne. Ça constitue un petit peu, pour nous spéléos, c'est Mont Blanc de la spéléo, et peut-être même plus. Parmi ces failles se trouve le célèbre gouffre de la Pierre Saint-Martin. Son exploration a permis de découvrir, dans les années 50, l'une des plus grandes grottes au monde. Pour y accéder plus facilement, une entrée a été aménagée en contrebas du pic d'Annie, au cœur de cette forêt. Michel a rejoint Jean-François Godard, le directeur de la grotte. Alors, on va ouvrir cette porte. Bon, là, on sent pas trop le courant d'air parce qu'évidemment, elle est fermée. Mais vous allez voir, on va l'ouvrir un peu. Ce vent, il circule en fonction de la température extérieure. Hein. Plus il fait chaud dehors, plus le vent va sortir violemment ici. Et pour fermer, vous allez voir, ça va être un peu dur. Là, comme ça, c'est bon. Ah, il y a du vent aujourd'hui. Les deux hommes empruntent ce tunnel long de 600 mètres. Il mène directement à un torrent souterrain, uniquement accessible aux spéléologues. Bon, on va s'arrêter là. Hein ? C'est une des plus grandes rivières du réseau. À 400 mètres de profondeur, elle est alimentée par les milliers de fissures à la surface. Cette rivière, si on la remonte sur 15 km, il faut à peu près une dizaine d'heures. Et on arriverait sous le pied du pic d'Annie. Ah, ici, c'est quand même mon passage préféré ici. Hop. Magnifique.
Alors ici, on voit quelques petites stalactites. Les plus fines, ça s'appelle des fistuleuses. Mais ici, il y a peu de chances que la stalactite rejoigne la stalagmite, puisque comme il y a une rivière en dessous et que cette rivière, elle peut monter jusque là où nous sommes, hein, il faut savoir que quand il y a des crues, ça peut être très, très important ici et très impressionnant. Donc, évidemment, le sol, il est lessivé. Donc, il n'y a pas de stalagmite au sol. C'est ici que Michel a fait une découverte, il y a quelques années. Alors, un peu plus loin. Ah, il est là. Magnifique, voilà. Empreinte, là. Ici, on est en présence d'un fossile de corail. C'est du polypier. Là, on distingue la croche du polypier et ici, sa structure. Alors, il faut imaginer, ici, on était sur une plage de vase sous la mer. Et à quelques mètres de là, il devait y avoir un récif de corail. Et un morceau de corail, ce polypier, a pu se décrocher et il est venu tomber dans la vase et il s'est fossilisé dans la vase. Donc ce fossile nous attend là depuis 90 millions d'années. Les spéléologues descendent dans la fameuse salle de la Verna, l'une des plus grandes grottes au monde. C'est un peu hors norme, la Verna. Ça fait entre 230 et 250 mètres de diamètre. Et du point le plus bas, qui est la plage de Galet, hein, jusqu'au plafond de la salle, il y a 193 mètres de hauteur. Voilà. Ça représente 3,6 millions de mètres cubes d'air. C'est 10 Notre-Dame de Paris. Pendant ce temps, en haut de la grotte, un événement se prépare. Bon, Étienne et Romaric, vous montez les ailes maintenant ? Jean-Pierre David est l'inventeur de ce ballon dirigeable unique au monde. C'est des ailes à bras, hein. Le pilote, il va les utiliser pour se déplacer dans la grotte. C'est Romaric, le fils de Jean-Pierre, qui va s'envoler ici pour la première fois. Bon bah salut, hein, bon vol. Salut. Trois petits mouvements suffisent et je me laisse porter, flotter dans les airs. C'est trop cool. C'est vraiment génial. Ce qui est appréciable, c'est cette douceur. Et c'est parti, marche avant. Qu'est-ce que c'est beau, c'est impressionnant. Si je suis qu'à 10 mètres du chemin, je suis en même temps à plus de 100 mètres du fond de la grotte, en altitude. C'est à peine croyable. C'est tellement grand qu'on a toujours des difficultés pour nos visiteurs à les aider à appréhender ce volume-là. Et cette idée-là de faire voler cette aéroplume dans la salle de la Verna, ça permet vraiment d'aider à appréhender cette immensité. Retour dans la vallée d'Aspe. Cela fait maintenant plusieurs semaines que Barbara et Maxime gardent leurs brebis en estive sur le plateau de Banas. Aujourd'hui est un grand jour. Nous sommes mi-juillet. Lola et Lilou, les filles de Maxime, arrivent avec leurs grands-parents après trois semaines de séparation. Ça tient la trompe. Oui. Bon alors. Papa. Ça va? Ah oui. Vous êtes bien monté? Ouais. Mmh. Hein? Et toi, t'as mis combien de temps? Je suis arrivé avant Lola. Avant Lola? Mais c'est toi qui étais là avec papy? Oui. Bon, ça va aller. Chaque année, c'est pareil. Le démarrage, quand on part et qu'on transhume et qu'on monte en estive, ben, Lola et Lilou sont toujours à l'école. Donc, il n'est pas question pour elles de manquer. Et donc, après, ben, après, on est content de les retrouver quand elles reviennent. Voilà. Cette vie en famille est une chance pour Barbara et Maxime. Il y a quelques années encore, seuls les hommes vivaient dans cette petite cabane.
Aujourd'hui, le métier a changé. Et près de la moitié des éleveurs s'installent en estive avec leur famille. Allez, Lilou. Allez, fille. C'est donc ensemble qu'ils commencent la traite. Tiens, regarde, c'est qui ça, Lola? Attends, Lilou, je vais le faire. Vas-y. Attends. Quoi? Tu la reconnais pas? Yolande? Kiwi. Non, Yolande, elle ne va pas donner de l'estomac. Yolande n'a rien fait cette année. Allez! Lola, elle commence à tirer un peu de lait, ouais, Lola. Lilou, il lui manque un peu de hauteur encore, un peu. Mais moi, ça va vouloir essayer, en tout cas. C'est sympa. C'est sympa d'en participer avec elle, de partager ce moment. Ça sort ou ça sort pas, Lilou? Elle s'intéresse à ce qu'on fait et voilà, ça veut pas dire qu'on en fera des bergers, hein. Ni mes enfants, Marius et Kainak, ni les enfants de Maxime, mais on a un métier qui permet de partager ces moments-là. C'est génial, c'est magique. On fait pas l'école à la maison, on est content que nos enfants aillent à l'école, mais moi je trouve que quand ils sont avec nous comme ça, on leur donne autant des cours de sport et de mobilité, de gymnastique et compagnie, que de biologie, que de mathématiques. C'est une école, quand on dit école de la vie, c'est un peu ça, quoi. J'ai l'impression qu'ils apprennent plein de choses, quoi. Ouais. Tu n'avais pas de chemin fini. Quoi? Tu n'avais pas de chemin fini? Oui. C'est bien. Pas encore tout à fait, tout à fait. Une fois le lait récolté, Maxime retourne dans la cabane pour fabriquer les tomes de brebis. Le brassage, c'est une vingtaine de minutes. Hein. Ça joue sur la qualité du fromage, sur la texture en pâte, etc. Il faut être assez rigoureux sur ces moments-là. On va prendre le temps de monter en température. C'est ce qui nous permet d'avoir une pâte souple, onctueuse, crémeuse, avec, par exemple, sous la langue, on sent pas les grains, quoi. C'est ce tour de main qui donne son goût unique au fromage de Maxime et Barbara. Depuis toujours, ils veulent conserver le caractère propre à leur tome. Moi, je veux faire un fromage où on maintient la culture du goût. Quoi. On veut transmettre ça, quoi, le goût. On ne veut pas les choses lisses et fades, linéaires. Ça ne m'intéresse pas, quoi, tout ce que fait l'agro-industrie. Nous, notre fromage, il est chez nous. Quoi. Il va se reconnaître, quoi. Au bout d'une heure, la première étape est terminée. Il reste maintenant à presser le fromage avant de l'affiner dans un saloir pendant 5 mois. Là, il y a une boiteuse, 5000. À l'extérieur, une partie du troupeau a passé la nuit dans ce parc. Essaye de la ramener vers un tas de brebis. Barbara et sa stagiaire Marion s'occupent des soins aux animaux. Tous les jours, elles passent en revue le troupeau de plus de 300 têtes. Le but, là, c'est de les faire marcher pour voir s'il y en a une qui boite, pour voir s'il y en a une qui a un comportement bizarre. Celle-ci, là, elle a 2079. Ouais, voilà, celle-là. Alors, du coup, dès que tu l'accroches, faut vraiment que tu cours vers elle. Faut surtout pas la tirer vers toi, c'est à toi d'aller vers elle. Bien, voilà, nickel. Marion est en formation depuis un an. C'est la première fois qu'elle travaille en estive. J'ai bien repéré celle-là. Donc, diagnostic. Échauffement. Échauffement. C'est technique quand même. Faut pas s'imaginer que c'est on va à la montagne et voilà, c'est les vacances, quoi. Non, il y a beaucoup de suivi à faire. Et ici, particulièrement, on fait du fromage, donc c'est vraiment un enjeu, quoi. C'est important. Pour moi, c'est super important de transmettre le métier de berger. Donc là, sur le terrain, avec les gestes, avec du temps, en répétant les mêmes gestes, en faisant attention à tout, quoi, au bruit, aux odeurs. Il faut du temps pour apprendre tout ça et c'est agréable de pouvoir transmettre tout ça. Ce qui fait vachement plaisir dans le cas de Marion, c'est que Marion, elle a un projet d'installation. Une paysanne de plus, c'est génial. Barbara et Marion sont les exemples d'un métier qui se féminise.
Après les soins, Barbara rejoint l'autre partie du troupeau qui pâture sur les crêtes. On est vraiment juste en limite avec l'Espagne. Là derrière, vous avez l'Espagne. Ici, donc, vous avez Arlette, avec le pic d'Arlette. Et là-bas, c'est le col de Couec, mais qui est caché finalement par le premier plan, qui est l'Aouda. C'est les crêtes de l'Aouda. Donc, Couec, il y a des collègues à nous qui sont là derrière. Voilà. Il y a des stagiaires de la formation berger qui sont là-bas aussi. Et la vallée qui est juste après, c'est la vallée d'Ossau. Donc, vous avez le pic du Midi d'Ossau qui est là-bas au loin. Ouais, c'est presque rassurant de pouvoir le voir tout le temps ici. Moi, j'aime bien. Il est là, quoi. Bah, il est fort, c'est le plus grand. C'est le Béarn, quoi. Ouais. Elle est devenue bergère il y a quelques années sur un coup de foudre pour le métier. Ma première expérience de bergère, elle était magique. C'était un petit garçon de 12 ans en plus qui m'a appris un peu à faire travailler le chien et compagnie. Et c'était... Oh là là. Ah ouais, c'était des émotions. Enfin, je crois que j'avais un sourire jusqu'aux oreilles tout le temps. J'arrivais pas à l'enlever tellement c'était un sentiment magique, quoi, de liberté, de... Voilà, quand on est en hauteur comme ça, qu'on voit le paysage, c'est grandiose, quoi. On se sent tout petit et puis à la fois, on se rend compte de la chance qu'on a d'être là. C'est génial. Barbara fait partie des 32 femmes qui travaillent aujourd'hui en estive dans la vallée d'Aspe. Là où il y a des herbes qui piquent pas les fesses. Un changement qui est en train de révolutionner le métier de berger dans les Pyrénées. Autrefois, c'était un métier d'homme parce que le travail était plus physique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça peut être fait par une femme parce que les conditions de travail et de vie ont été améliorées. Il y a des estives où il faut plus marcher que celle-ci, mais il y a des femmes qui sont complètement capables de faire ça, qui ont les conditions physiques. Des journées comme ça, avec un grand soleil, je dois dire qu'il n'y a pas grand-chose de difficile. Plus il fait beau, plus les brebis sont sympas, mieux elles pâquagent. Quand il fait froid, quand on est en plein vent, dans la pluie, les brebis elles courent, nous on court aussi. C'est soit le paradis, soit l'enfer. On est complètement tributaire de ce que la nature nous donne, quoi. Il n'y a pas de juste milieu.